7h, ce samedi 2 septembre 2023, sur l'esplanade de la place de l'Amazone. Hommes, dames, jeunes, tous habillés, tels des sportifs munis de baskets. C'est le fitness des parcs nationaux qui démarre. Un événement qui s'inscrit dans le cadre de la nuit des parcs nationaux, initié par African Parks pour mettre sous les feux de la rampe les avancées en matière de conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du Doulvé Bénin, deux réserves de la biodiversité béninoise. Ce fitness s'inscrit dans le cadre d'une série d'activités que nous avons planifiées cette année, que nous avons voulu dénommer la Nuit des Parcs. En fait, une série d'événements qui nous permettent d'aller au contact des Béninois pour les connecter davantage au patrimoine naturel, à notre héritage commun que représentent les aires protégées. Surtout ceux de la Pendjari et du Doubvé dans le cas du Bénin. Les hostilités à peine démarrées, une faute plus commença. Comme on peut le constater, les coachs n'ont ménagé aucun effort à faire bouger l'équipe. Du fitness au fit dance, l'esplanade de la place de l'Amazone a vibré pendant plusieurs heures au son des baskets. Je suis surpris de voir beaucoup de monde quand même se déplacer malgré la pluie. Je me disais que les gens allaient partir. J'ai eu beaucoup de messages, beaucoup d'appels. Je me disais, est-ce que tu es sûr que ton événement va tenir parce qu'il pleut, il pleut, il pleut, il pleut. Mais effectivement, les gens sont restés. On a travaillé sous la pluie, on a fait du sport sous la pluie, ce qui est totalement inédit. D'habitude, quand on organise des événements sportifs, on fait attention quand même à la météo. Mais aujourd'hui, il y a eu pluie, les gens sont restés sous la pluie, on s'est amusé, on s'est régalé. Le fitness des parcs nationaux, c'est aussi des échanges portant sur la conservation. Une campagne de don de sang a marqué l'événement. Cet instant sportif, une fierté pour les participants. C'était une très bonne ambiance. Il y avait les coachs qui nous ont très bien ambiancés. Il y avait de très belles personnes qui ont participé. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à le faire. Je me suis défoulé après une longue semaine de travail, un samedi matin comme ça. Et j'invite les gens à participer davantage aux activités dans le cadre de la Nuit des Parcs Nationaux. On a été contents parce qu'on est des sportifs. D'abord, le sport, ça donne la santé. Avec le sport, tu es à l'aise, tu portes des habits sans gaine, tu n'as pas de surpoids et puis tout va bien. Je voudrais lancer un appel à tous les Béninois, de l'intérieur comme de l'extérieur, à tous les non-Béninois aussi, résidents ou pas, de pouvoir soutenir les actions de conservation des aires protégées à travers le continent et spécifiquement ceux de la Pendjari et du Doubvé pour lesquels nous nous battons au quotidien pour les maintenir parce que ces aires protégées représentent en fait une fierté pour la nation béninoise. Les regards sont désormais tournés vers la soirée de gala, la nuit des parcs nationaux, qui aura lieu le 30 septembre prochain.